J'ai bien fait de m'arrêter à l'église. Désormais, je sais qu'Alyosha est en vie. Je ne peux toujours pas contacter l'Aurora, mais au moins je sais qu'il prévoit de nous rejoindre au barrage. La mauvaise nouvelle, c'est que l'état d'Anna a empiré. Je dois la retrouver au plus vite. Salut toi, c'est Cool Zero. Bienvenue sur Metro Exodus. Très content de te retrouver. On va continuer l'histoire principale aujourd'hui avec la suite des aventures d'Artium dans la Taïga. Comme toujours, en début de let's play, pense à mettre un pouce bleu si ce type de vidéo te plaît et à t'abonner, sans oublier d'activer la cloche pour ne louper aucun des nouveaux let's play que je publie régulièrement. Si tu connais pas la chaîne, c'est le moment de la découvrir. Bon allez, trêve de bavardage, place à l'action. Ok, on est sur la terre ferme, c'est parti. Alors maintenant, il va être temps de retrouver notre ami. Par contre, je ne sais pas par où on va passer. Là, on est sous l'église, je pense pas que ça soit par là. Ça doit être plutôt tout droit. Il y a quoi par ici? Ah, il y a un petit truc secret par là. Allez. Oh, c'est intéressant. Qu'avons-nous par ici? Hey! Un petit truc supplémentaire pour mon arme, c'est cool ça. Bon là, par là, il n'y a rien sinon. Allez, allez. Il y a d'anciennes reliques religieuses, ok. Et là, du coup, nous voilà. Ok. On devait certainement descendre de par là, c'était un petit passage secret. J'ai bien fait de regarder ce qu'il y avait par là-bas. C'est cool ça. Alors on avance. L'objectif certainement d'aller rejoindre le barrage maintenant. C'est déjà même ça. Oula, lui. Il est mort depuis un moment. Ok, on va continuer le long de cette route. Il y aura peut-être des petites choses à récupérer. En espérant qu'elles ne soient pas trop inhospitalières avec des gros monstres. Des gros monstres. Ah! Qu'est-ce qu'on a sur la carte? Ok. Donc on avance, donc c'est bien par là qu'il faut aller. Je vais devoir trouver une baraque pour traverser le marais. Ok. Qu'est-ce qu'on a par ici? Aïe. J'entends déjà quelqu'un crier. Je vais aller voir au bout. Je sais pas si je peux aller tout au bout là. Peut-être quelque chose à récupérer dans ces véhicules ou un truc comme ça. Allez, on fonce. Non, y'a rien par là. Ok. Là, on sent que mon petit cœur bat à la chamade après une telle course. Je suis pas habitué à faire un sprint, moi. Ok, par contre, de ce que je vois... C'est bien par là qu'il faut aller. Alors... Est-ce qu'on a des gars là-bas? Non, je vois personne, c'est bon signe. Enfin, bon signe. Tout dépend de ce qu'on va trouver dans le marais. Qu'est-ce qui est marqué? Nabligne. Quelle idée. Un deuxième! Halte là! Ouais, cet enfoiré veut un bateau! Un pavot! On compte jusqu'à 5! Oula! Ah mince alors! Non mais c'est quoi ce travail là?
Je viens de me faire canarder comme un malpropre là par ces gars-là. C'est par en bas qu'il faut aller. Cette fois-ci, je vais pas me laisser faire. On va déjà commencer par changer. Ah, ils sont juste là, les gars. Ok, on va essayer de faire mieux cette fois-ci. C'est les petits merlins, ceux-là. Je te vois. Boum. Ah, il est là, lui. Reviens dans mon viseur et tu vas voir. Mince. Loupé. Je crois que je l'ai eu. Manifestement, je l'ai pas eu. Oh, ça c'est bon. Headshot. Il y a un monstre qui est passé par là. Allez, on avance. Ok, vu la musique, il doit y avoir encore quelqu'un. Je pense que on n'a pas fini avec le combat. On va monter en haut. Oula. Qu'est-ce qu'on a là-haut? On a quelque chose à récupérer ou pas? Non. Ok. Ah, il y en a un là-bas. Ah, relou là. L'arme elle est pas assez précise, j'ai du mal. Ok. Bon, est-ce que j'ai trouvé quelque chose là?
mettre ça. Ok. Toi, je vais t'avoir cette fois-ci, tu vois. Boum. Et moi, je te vois pas. Ok. Ok, c'est bon. C'est bon. C'est bon, je peux y aller. Ok. Il y en a un qui est planqué encore là. Ouais, c'est bon, on peut continuer là. Ok. Boum. Oula. C'est bon. Là, il y en a un là-bas. Oula. Je crois que lui, il est pas trop mal. Je crois bien, ouais. Ok, je vois rien par là. Là. Ok, on descend. Qui me tire dessus encore? Là-bas. J'en tiens là. C'est bon. Ok. Ok. Il est pas mal ce petit fusil AK-47, l'a modifié. Il fait bien le taf. J'entends encore des gars. C'est pas fini. Thank you.
Ok, j'aimerais bien monter en haut là. Ah, ok, il y a une passerelle, mais elle est de l'autre côté. Ah, c'est des fois difficile de ramasser ces petites armes là. Ça y est, bien, on a pas récupéré pas mal de loot là. C'est nickel, on va retourner un peu en arrière. Parce que du coup maintenant on va remonter. Hop. On va remonter en haut. Du coup ils m'ont repéré tout de suite là. C'est un peu relou mais bon. Je pensais la faire un peu plus discretos. Là y'a rien, c'est bon. Yes, des carottes flèches, c'est nickel ça. Là pareil. Tu ferais mieux que mon frère maintenant. T'aurais dû réfléchir avant de venir ici si t'as plus peur. C'est la paix. Si j'ai pris cher là. Wow. Ça va mal là. Ok, c'est bon. On a nettoyé le camp. Là c'est bon, on va aller voir au-dessus sur le pont supérieur. Est-ce qu'on a quelque chose là ici? Non. Rien de plus, rien de moins. Du coup, ça nous intéresse pas trop. Alors, je t'ai demandé de descendre, pas de monter. Je sais pas si on avait la possibilité en fait d'éviter le combat mais là, mais... Du coup, j'ai l'impression que non. On va regarder, j'ai l'impression que j'ai récupéré des petites pièces là pour mon fusil. Alors... Ça, c'est mieux, ça. Ouais, cool. Parfait. Ok. Cool, on a un petit laser maintenant. La barque qui est là-bas, donc avant d'aller à la barque, qui était quand même l'objectif principal, yes, un petit couteau de lancer,
fait penser que j'en ai pas encore utilisé des couteaux de lancer. Faudra que j'essaye ça un moment. Ok, un peu de munitions, ça fait plaisir. On a un petit passage par là. La cuisine du camp. Rien de caché par ici. Ah oui, il est quand même sacrément grand ce camp en fait. Ok, on a un petit passage par là. Un peu de matériaux. Ok, on continue notre progression, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne, on va quand même rester discret, on sait jamais. Ok, ça c'est le fonctionnement, je pense que c'est pour ouvrir la porte qui va nous permettre de sortir, donc hop. Ok. Ah, il y a des petits crafts encore. Il y a pas mal de matériaux à récupérer un peu partout. Ok. Donc là c'est bon, la porte est ouverte. Ok, là c'est juste une tour de guet. Ok, c'est bon pour nous. Là, j'ai vu qu'il y avait un petit truc par là-bas, je sais pas ce que c'est. Ok, c'est un pont de corde, ça marche. Ok, c'est un camp sacrément fortifié quand même. Qu'est-ce qu'on a par là? Yes. Encore un peu de munitions, la joie. Ça c'est bon ça. Quand on prend le temps de fouiller, on est récompensé dans le jeu, c'est cool. Ok. Ok, c'est bon. Ok. Ok, donc c'est bon, c'est par là. Carrément, il y a une pelleteuse dans le marais. Ouh là là. Peut-être droit devant. Non, ça sera pas là-bas.
Ok. On regarde ça. Je dois trouver un moyen de sortir de ce marais et de rejoindre la route menant au barrage. Je dois d'abord passer à la scierie abandonnée. Ok, donc on est arrivé à la scierie. Hey, c'est cool ça! Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi je me suis éclaté, dis-moi si tu as kiffé en commentaire. N'oublie pas de me mettre un pouce bleu et de t'abonner si ce n'est pas encore fait en début de let's play. Ça soutient la chaîne et ça me récompense pour le travail fourni, de montage, etc. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Moi je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Cool Zero. Ciao ciao!